Bonjour la famille, salut les amis, j'espère que vous allez bien. L'actualité oblige, il y a quoi conformer, Bino, toujours en temps réel. La céphalie Ipupa en conférence de presse avec le GDP qui est son producteur pour You Arena Paris La Défense qui aura lieu le 25 novembre 2023. Donc, Fali Ipupa à la conférence de presse. Dans la présence, il y a professionnel, il y a journaliste, il y a média, Juliette Fugette, grand Claudie Sillard, icône, il y a média. Partout. Et ma question est, vous étiez déjà à l'Angola et moi je suis franco-angolaise. Okay. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez retenu de vos concerts à l'Angola. Qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué? Ouais, mon dernier concert à Angola c'était le stade Coquet Rouge. Encore un stade. Je sais pas, c'est pour ça que je l'ai. En fait, on avait reporté la date car il y avait la pluie donc la première fois, mais la deuxième fois, ça s'est très bien passé. Vous savez, l'Angola. C'est un pays que j'affectionne énormément. Il y a tellement de jolies filles en Angola. C'est à côté du Congo. Non, ça s'est très bien passé, le stade. On a retourné le stade et puis les gens... En plus, ils avaient le droit de découvrir l'album. Je pense que c'est le premier pays qui a vraiment dégusté l'album Formule 7. Et c'était l'Angola. Donc pour moi, je repars encore en Angola au mois de juillet. Des gens qui avaient des orchestres structurés, qui avaient un entourage structuré et qui sont allés là où ils devaient aller. Si on parle de rumba aujourd'hui et si Fali Ipupa est porteur aussi de cet héritage-là et de cette musique-là, c'est parce qu'il s'est inspiré de gens qui ont su faire et qui ont su transmettre l'intelligence de ce métier. Ça me rappelle un peu ce que... Je défends la rumba congolaise. Je suis pas ambassadeur, je ne me donnerai pas ces titres-là, mais je suis l'un des pionniers de la musique rumba, en fait. Moi, je suis né et grandi à Kinshasa, donc j'ai la rumba en moi, mais je ne suis pas ambassadeur de la rumba dans le monde. Et c'est important de chanter en français aussi. Et moi, je suis en train de, avec toute mon équipe, je suis en train de vous préparer le meilleur spectacle de l'année 2023, je peux même dire de ma carrière, en fait, de ma carrière. Donc venez, la billetterie est ouverte depuis. Il reste quelques places, donc venez. J'ai pas envie que vous m'appelez le même jour. Ah, Fali, ça va, s'il te plaît, trouve-moi un bien. Donc voilà. Et soyez prêts, soyez prêtes. Et le rendez-vous le 25 pour vous donner le meilleur de tout le temps. Hein, le meilleur concert 2023 sera le 25.